Alors oui, aujourd'hui c'est la journée internationale des luttes paysannes et donc partout dans le monde, les syndicats paysans, les associations de paysannes et de paysans et leurs alliés font des actions pour mettre en lumière les défis auxquels sont confrontés les paysannes et les paysans dans leur pays. Et pas de paysans sans peur. Ici, en Belgique, ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est le problème de l'accès à la terre et particulièrement le problème de la disparition des terres agricoles. En région wallonne, par exemple, on a calculé qu'en moyenne 1500 hectares de terres agricoles disparaissent chaque année. Le problème, c'est que quand ces terres disparaissent, c'est souvent au profit de zoning comme ici, de routes, d'activités de loisirs, de zones d'habitat, et que donc ce ne sont pas des terres qui peuvent être récupérées par l'agriculture par la suite. Donc ces terres sont définitivement perdues. C'est évidemment un problème pour l'alimentation, on le comprend assez bien, mais c'est aussi un problème pour l'environnement et pour la qualité du travail des paysannes et des paysans chez nous. Disons qu'ici, on a pris contact avec différentes associations plus larges, hein, le RESAP, Inter-Environnement, etc. Et disons qu'ils nous ont soutenus dans la mise en place de cette journée. Et quand on voit le nombre d'associations qui sont présentes ici, le nombre de jeunes aussi, ça nous réconforte et ça nous réjouit, quoi. Donc, essentiellement pour cette raison-là, pour nous, c'est très positif. Donc nous, on est ici pour représenter le secteur agricole, donc pour défendre l'accès à la terre qui est notre outil premier en tant qu'agriculteur, parce qu'on a besoin de la terre pour produire, pour pouvoir en tirer un revenu, pour pouvoir transmettre ça à des générations futures et pouvoir maintenir la terre dans son caractère nourricier. Donc c'est pas le but de bétonner ou de créer un surplus d'emplois au détriment du besoin premier de l'humain qui est de se nourrir. Je pense qu'il faut informer la population et essayer de la sensibiliser à ça. Maintenant, ça ne représente pas une majorité de la population. Et je pense que même dans les gens des campagnes, il y en a aussi qui vont prendre conscience de ça. Je pense aussi qu'on doit sensibiliser les gens à ce qu'ils ont. Il y a des paysans, il y a des fermes, il y a des terres qui disparaissent chaque année, il y a des paysages qui sont enlaidis chaque année. Et je pense que les gens deviennent sensibles à ça de plus en plus. Parce que si ça se raréfie, demain, c'est notre cadre de vie qui va devenir moins supportable, moins sain. On a l'opportunité aujourd'hui de préserver ça et il faut le faire quand on le peut. On a quand même un gros problème par rapport à ce dossier. C'est un beau dossier parce qu'il mêle mobilité, aménagement du territoire, développement économique, démocratie, agriculture, et puis bon, on se rend compte que plus de visiteurs c'est bien, mais s'ils viennent tous en voiture, on va étouffer comme à Bruxelles. Peut-être qu'on devra faire des zones de basse émission aussi dans la campagne. Voilà, je vous laisse la parole pour l'instant. Donc aujourd'hui, on est en effet IOE aux côtés de Fienne et d'autres organisations, notamment Barricade. Nous avons travaillé à constituer avec plusieurs collectifs de Wallonie et de Bruxelles un nouveau réseau qui est officiellement lancé à l'occasion de cette journée des luttes paysannes. Parce qu'en fait, la situation qui est décrite ici aux alentours de Paris des Arts, elle n'est pas isolée. Donc c'est souvent comme ça qu'on essaie de les présenter, de dire que c'est des lobbyistes qui défendent leur intérêt particulier contre un projet d'intérêt général. Or, nous, ce qu'on constate, c'est que des projets de ce type-là, il y en a aux quatre coins de la Wallonie et de Bruxelles, et en fait aussi partout dans le monde, mais on va peut-être commencer par ce qui nous concerne. Et donc, nous, ce qu'on pense, c'est que c'est une question en fait, de cap et d'orientation politique, davantage que de petits citoyens qui râlent en leur. Et donc, on a décidé, petit à petit, il y a des contextes informels et plus formels qui ont été pris à l'occasion notamment des rencontres qui ont été organisées par les acteurs des temps présents, par
aussi, je pense, rencontre autour des grands projets inutiles qui ont eu lieu il y a quelques mois. Et alors, sur cette base-là, on s'est dit, ben tiens, en fait, ça nous fait du bien, ça nous pousse de nous rencontrer, d'échanger sur nos techniques de lutte et de voir comment on peut s'organiser pour aller plus loin et dénoncer un système. Et donc, on a le grand honneur et plaisir de lancer le réseau Occupons le terrain, donc qui regroupe aussi bien des membres de CHB qui sont là, qui sont au veto, pour venir nous rejoindre. Mais aussi alors le collectif Pays Vert ici à Paris-Neysa, donc il y a aussi bien des collectifs autour des routes que autour des terres accaparées comme au Ribonnet à côté de Liège. Il y a aussi la question, donc on a décidé de ne pas se concentrer uniquement sur des terres agricoles, mais d'étendre le propos à l'accaparement des ressources et des territoires. Et donc il y a notamment la situation à Lourdes, où il y a une série d'infrastructures et de terrains qui sont rachetés par un privé qui a décidé de créer son projet sans dire compte du fait qu'il y a des habitants qui vivent en fait dans les territoires qu'il a décidé d'acheter et de transformer pour le tourisme. Et donc voilà, aujourd'hui il y a cette plateforme qui est lancée, il y a un site internet qui est mis en ligne et voilà, donc nous on vous invite à suivre notre travail, à nous soutenir. C'est évidemment des tas de mobilisations en perspective et donc suivez bien ça de près. La société civile est en train de se mettre en route. Elle est en train de prendre conscience d'un tas de choses. On n'est pas encore assez nombreux, bien sûr, mais un petit peu tous les jours, le voisin, puis le voisin du voisin, et le cousin du petit frère. C'est comme ça qu'on va faire bouger les choses. Si les politiques ne suivent pas, tant pis, on est en train d'organiser des mouvements parallèles. Maintenant, je pense que faire bouger les politiques, c'est vachement important. C'est ce qu'on fait à la Viator Messina au niveau de la FAO. J'étais la semaine dernière à Rome, au symposium de l'agroécologie. À côté des organisations paysannes de la Viator Messina, il y avait l'agro-industrie. La FAO est obligée d'écouter aussi l'agro-industrie. Mais ils nous ont laissé le temps de lire une déclaration en deux pages, ce qui n'était pas le cas pour tous les autres. Nous étions réunis, nous, avec des représentants de la société civile, et on nous a écoutés. Ça veut dire aussi que si on ne prend pas les places qu'on nous donne au local, dans nos communes, au global, avec la Viator Messina à la FAO, on perd des points. Il faut jouer sur tous les plans, il faut s'organiser collectivement sur le local, mais il faut aussi aller de manière globale dans des gros combats. Alors au MAP, pour le mouvement d'action paysanne, on va lancer assez rapidement une proposition de charte commune paysanne. On va proposer aux élus, futurs élus, pour qu'ils intègrent des éléments de protection et d'aide, de soutien à l'agriculture paysanne dans leur programme électoral. Et puis on ira les voir aussi. Donc je pense que chacune ici, vous pouvez faire quelque chose demain matin en vous levant. Voilà. Donc pour nous, c'est important de se mobiliser aux côtés des citoyens, des organisations du RESAP, pour soutenir, comme tout un chacun, de l'agriculture paysanne, mais notamment l'outil premier de l'agriculture, qui est la terre. Donc on sait tous que le prix est en train de flamber. En tant qu'agriculteur, c'est difficile d'avoir les fonds pour pouvoir acquérir la terre. Du coup, vous nous répondrez, oui, mais vous pouvez la louer. Très bien. Mais il y a le problème du bac à terre. D'accord. On arrive encore à trouver des terres, mais sous des locations de fonds précaires. Donc on n'a aucune sécurité sur l'accès à la terre, alors que nos emprunts, eux, nous fidélisent à la banque pendant 20, 25 ans ou peut-être 30 ans. Autre chose aussi, c'est l'emploi dans le secteur agricole. Donc on soutient des fermes à taille humaine qui créent de l'emploi, qui créent des produits de qualité qui seront vendus localement. Donc ça, c'est très important de garder aussi un commerce local. Alors qui dit activité touristique dit aussi produits locaux, donc c'est peut-être un avantage, mais en tout cas, il ne faut pas délaisser les terres agricoles pour cet avantage. Il faut vraiment garder notre outil. Donc si vous nous dites qu'il y a évidemment des routes annexes, d'autres terrains pour les zones, notamment pour ce qui est friche industrielle, mais il faut s'orienter vers une revalidation de ce qui existe déjà, de ce qui a déjà été transformé par la main humaine, pour garder ce qui est encore nourricier comme une terre nourricière. Alors ici, dans la région, on se réunit aujourd'hui. Il y aura encore sans doute d'autres réunions, il y en a d'autres sur Bruxelles. Dans le Luxembourg d'où je viens, il y a aussi des mobilisations qui concernent la terre agricole, parce qu'ici on est sur des terres céréalières, très productives, mais ça concerne l'ensemble du territoire wallon, parce qu'il y a des producteurs, il y en a partout, on est de moins en moins nombreux. Donc encore félicitations aux jeunes qui veulent peut-être porter un projet agricole, il faut vous lancer,
Et pour ça, il y a des structures que la FUGE a cofondées avec le MAB, etc., comme Terre en Vue, pour vous aider dans l'accès à la terre. Mais c'est vraiment avec vous, en tant que citoyen, qu'on pourra faire quelque chose au niveau agricole et au niveau du maintien des terres. Souvent, on entend dire, et on me dit, et on nous dit à nous, agriculteurs qui nous battons, et même cette fois-ci, par la réaction des agriculteurs, pourquoi se battre pour défendre la terre? On ne sait plus que mettre sur la terre. Il y a des suppléments, des excédents dans tous les domaines. Pour ne citer qu'un exemple qui est frappant pour le moment, on l'a vu en plusieurs reprises à la TV ce jour-ci, dans des hangars de patates. On appelle, nous, les gros pâtissiers. On a des tonnes, disons, de passage qui sont en train de pourrir. Et on se demande ce qu'on va pouvoir en faire, soit de un gros biogaz, soit ça va partir la semaine. Pourquoi se battre pour les fantasmes? Dans d'autres domaines, les céréales sont à prix en dessous du de l'hydrogène comme beaucoup d'autres produits. Alors pourquoi continuer à se battre pour défendre la terre? Et pourtant, je crois que oui, quand on voit la situation au niveau mondial, il faut parfois, même chez nous, relativement peu de choses, des stratégies, des autres éléments, même au niveau européen chez nous, pour que du jour au lendemain, on passe d'une situation de pénurie à une situation excédente qu'on a sorti. Et puis mondialement, je crois que c'est quand même un problème très important, alors qu'il y a encore de plus en plus de millions de gens qui ont faim, on ne peut pas se permettre de gaspiller la terre. Et il y a, je crois, de plus en plus d'économistes importants qui sont en train de tirer la sonnette d'alarme à ce niveau-là. Le rapport de la FAO, il y a deux jours, crie aussi à l'âme en disant qu'il faut absolument surtout intensifier la défense de l'agriculture paysanne. Alors, je crois qu'il ne faut pas reprocher, au contraire, il faut soutenir les quelques agriculteurs que nous sommes qui continueront à nous battre pour défendre cette terre agricole et pour défendre pas n'importe quel type d'agriculture, mais une agriculture familiale, une agriculture paysanne. C'est important parce que, d'une part, cette agriculture familiale, elle ne consomme pas d'énergie comme l'agriculture industrielle le fait de façon importante au niveau des produits chimiques, des engrais, des produits de végétation et, disons, de la consommation de mazout quand on voit le matériel qui existe aujourd'hui. Deuxièmement, quand on voit le type, disons, de céréales que nous sommes en train de défendre et pour lequel nous battons au niveau de la production des céréales pour nourrir la population, notamment, vous avez vu ce matin, pour ceux qui sont venus à Guilherme-Vienne, nous avons, entre autres, symboliquement, sur les terres du Zoning à Guilherme-Vienne, planté en plus des patates, planté quelques routes de quinoa. Au niveau de quelques agriculteurs, notamment dans le cadre de la crise, nous sommes en train, disons, de, pas seulement d'étudier, mais d'essayer de redémarrer et d'expérimenter la production, notamment de quinoa, de lentilles, de sarrasin et d'autres produits de ce type-là, qui sont des produits riches en protéines, excessivement importants pour la consommation, pour la santé des consommateurs, d'une part, par rapport à ceux qui veulent un peu limiter la protéine de la viande, mais qui sont aussi fort intéressant au niveau de la culture, au niveau, disons, de la défense de la terre agricole. Ces céréales-là, souvent, sont mélangées, plusieurs types de céréales, qui sont des légumineuses, qui captent la dose de l'air, au niveau de la production du sol, c'est important. Donc, voilà un exemple, disons, de ce que nous voulons développer au niveau de cette agriculture paysanne. Alors, une journée comme aujourd'hui, ce matin, l'après-midi, pour nous, les quelques paysans qui continuent en défense de l'agriculture, si nous sommes seuls, c'est peu dur. Mais avec l'appui des consommateurs, on ne peut pas dans des associations, notamment les jeunes, hein, qui ne suivent pas tous, parfois le nombre de jeunes que vous êtes,
qui était ce matin. Merci. Ce n'est qu'avec vous que nous pourrons sauver cette agriculture paysanne. Merci.